Je suis Patrick Auguste, je suis chercheur au CNRS et je travaille à l'Université de Lille et je suis paléontologue. C'est-à-dire que j'étudie le passé des êtres vivants disparus, devenus fossiles. Moi, je travaille plus particulièrement sur les grands mammifères du quaternaire contemporains des hommes fossiles, néandertaliens en particulier. Fondamentalement, la paléontologie, quels que soient les fossiles que l'on étudie, les périodes géologiques, c'est identifier les spécimens que l'on a, les fossiles. Fossiles animaux ou fossiles végétaux. L'objectif, c'est de bien les identifier par rapport à notre référentiel actuel, donner un nom de genre et d'espèce. Ensuite, regrouper tous ces animaux, quand on a la chance d'avoir plusieurs espèces animales ou végétales, et ou animales et végétales dans le même site, de pouvoir reconstituer les écosystèmes, les paysages en fait, et les climats dans lesquels, pour nous, ce qui nous intéresse, vivaient les hommes préhistoriques. Et aussi les animaux présents, qui, la plupart du temps, vont faire l'objet de leur alimentation par la chasse. Alors, le travail du paléontologue quaternariste, hein, qui travaille sur les grands mammifères, c'est si possible d'être présent pendant les fouilles archéologiques, de pouvoir identifier sur place le matériel. Par exemple, si on trouve des restes humains, il ne faut pas attendre des années pour le voir, et si possible, le voir tout de suite. Dans les sites paléolithiques, on a souvent des os fracturés. Donc, on a rarement des os complets ou des squelettes, bien sûr, que les collègues qui travaillent dans les sites paléontologiques sans intervention humaine, où les animaux sont morts naturellement. Nous, on travaille sur des petites portions et on doit absolument pouvoir identifier, autant que faire se peut, des os pour voir si on n'a pas affaire à des espèces particulières, voire encore une fois à des vestiges humains. La manière de procéder, je dirais, elle est relativement simple. On a des animaux qui sont relativement proches des espèces actuelles. Par exemple, le sarélaphe, c'est le même qu'on avait pendant le quaternaire, au moins vers la fin, et celui qu'on a actuellement, le sanglier, par exemple. Le roc, on a encore des éléments puisqu'il était présent pendant les périodes tempérées. Mais bon, avec des animaux comme le mammouth laineux, par exemple, ou le lion des cavernes, il n'a plus d'équivalent actuel, de descendant. Mais on a des animaux, des proches cousins. Le mammouth, ça va être l'éléphant d'Asie. Le lion des steppes ou le lion des cavernes, ça sera le lion d'Afrique actuelle. Donc on va pouvoir dire qu'on va travailler, on va récupérer les os le plus complet possible, les petits fragments, et puis on va comparer avec nos os de collection, de référence actuelle, ou déjà des collections fossiles dont on a pu travailler, identifier du matériel d'animaux disparus, et on va comparer os par os pour tenter de donner au moins une identification du nom d'espèce à l'os en question. C'est ça fondamentalement le travail du paléontologue dans un premier temps, pour avoir une vision la plus claire des espèces présentes et de ce qu'elles apportent au niveau reconstitution écologique, mais également aussi datation du gisement. Avec mon collègue Loïc Le Breton, nous avons sélectionné quatre éléments dentaires de deux grands mammifères, de deux petits mammifères, des rongeurs, de manière à vous montrer comment nous procédons. En tant que paléontologue, pour identifier les animaux et puis reconstituer les paysages. Votre rôle va être d'identifier les photos des dents des animaux correspondants et puis ensuite d'en déduire de quel animal il s'agit. Et après, à partir de là, la dernière étape, c'est de voir dans quel milieu ils évoluaient, interglaciaire ou aglaciaire. Allez-y, vous avez 5 minutes.